avec une existence qui s'étend sur plusieurs millions d'années. La vigne trouve ses origines dans les régions entre le Caucase, la mer Caspienne et le nord-est de l'Anatolie. La vigne a fait sa conquête mondiale depuis les pays comme la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Anatolie et la Russie. Ce jugement est basé en grande partie sur l'incroyable richesse des variétés de raisins dans cette région du monde. La viticulture remonte au temps des premières civilisations. On estime le développement de la viticulture aux environs de 6000 avant Jésus-Christ. Il est cependant généralement admis qu'elle serait bien plus ancienne. La production mondiale de raisins s'élève à 70 millions de tonnes par an. Alors qu'environ 30% de cette production est consommée à table, le reste des 70% est destiné à l'industrie agroalimentaire, apportant une très grande contribution à l'économie. L'éventail d'utilisation est très large, allant de la consommation fraîche de raisins aux formes différentes telles que le vin, la mélasse, la pulpe séchée, la confiture, du jus de raisin, du vinaigre, la production d'huile de pépin de raisin et les boissons alcoolisées comme le raki. Il est très largement utilisé dans la fabrication des feuilles de vigne fraîches et des feuilles de vigne en saumure. Que ce soit en morceaux ou sous forme d'additifs, son goût savoureux fait partie de la production de plusieurs confiseries, des biscuits, des chocolats et autres yaourts. Selon les statistiques de la production mondiale, la Chine se retrouve à la tête des pays producteurs de raisins avec une production annuelle de 9 600 000 tonnes, suivi de l'Inde avec 2 500 000 tonnes et de la Turquie avec 2 millions de tonnes. L'Union européenne, le Brésil, le Chili, les États-Unis, le Pérou, l'Ukraine et l'Afrique du Sud se partagent le reste de la production mondiale. Parmi les pays qui dominent le marché du raisin, la Turquie a une position déterminante en termes de régularisation de prix de marché pour les raisins secs. En effet, l'Anatolie, patrie du raisin, offre plus de 1200 variétés de raisins. Le raisin est un fruit éclatant de saveurs. C'est une source de plusieurs vitamines B, C, E et des minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme comme du potassium, du calcium, du sodium, du phosphore, du fer, du magnésium ainsi que du sulfure. On estime que la consommation de raisin peut diminuer de plus de 50% le risque d'apparition du cancer du côlon. Ce fruit, connu pour ses propriétés antioxydantes, permet également, grâce à l'inositol qu'il contient, un meilleur contrôle du taux de cholestérol dans le sang. À l'heure actuelle, la plupart des variétés de raisins cultivées sont stockées dans des entrepôts modernes frigorifiques. Cette conservation à froid lui permet d'être disponible pour les marchés nationaux et internationaux, créant ainsi une grande contribution à l'économie. Une bonne conservation du raisin dépend tout d'abord des raisins sains et de bonne qualité. Contrairement à la pomme ou à la poire, le raisin ne rentre pas immédiatement dans le processus de maturation après la récolte et conserve une durée de vie plus longue. Par conséquent, il est conseillé de récolter le raisin au moment où il est prêt à être consommé et expédier la récolte dans les meilleurs délais aux entrepôts frigorifiques. Le point le plus important auquel il faudrait mener une surveillance est l'apparition du Botrytis cinerea, responsable de la pourriture grise pendant le stockage à froid de longue durée. Après la récolte, même si le raisin présente des avantages comme une respiration et un processus de maturation faible pendant l'entreposage frigorifique, les mesures nécessaires doivent être prises pour la pourriture grise. Même s'il existe à ce jour plus d'une dizaine de méthodes de conservation du raisin, la méthode la plus courante reste celle du dioxyde de soufre. Pour cela, des sacs en plastique et du papier imprégné de métabisulfite de sodium sont utilisés pour créer des conditions atmosphériques ambiantes modifiées. Une fois la récolte effectuée, le raisin doit être mis dans des sacs spécifiques avec un conditionnement en atmosphère protectrice et être immédiatement entreposé dans des chambres réfrigérées spécialement désignées à cet effet. Du papier imprégné de métabisulfite de sodium doit être posé au-dessus et en dessous des raisins avant de refermer les sacs.
le sodium métabisulfite absorbe les vapeurs d'eau résultant des processus respiratoires du raisin et disparaît. Cette réaction produit une certaine quantité de dioxyde de soufre qui s'accumule à l'intérieur du sac. Cette méthode est la plus couramment utilisée dans la lutte contre la pourriture grise. Dans ce type d'application, il est très important de surveiller les propriétés des sacs en plastique, la durée de vie des papiers imprégnés, ainsi que le taux d'humidité ambiant et le taux de gaz contenu dans les sacs. Afin de préserver une bonne qualité, les raisins destinés au stockage de longue durée doivent préalablement être entreposés dans une chambre de pré-refroidissement avec un processus de refroidissement dynamique, rapide, avant de joindre les chambres froides principales qui leur sont destinées. Considérant le fait que le taux de sucre varie après la récolte et que la température du refroidissement doit l'être également, il est important d'ajuster la température de refroidissement selon le taux de sucre présent dans le raisin. Le raisin, dont la température a été baissée rapidement jusqu'à 1 degré pour une meilleure conservation de la qualité et de longue durée du produit, doit être entreposé dans des sacs polyéthylène spéciaux pour la préservation du raisin. Une fois tous ces préparatifs achevés, le raisin peut être conservé pendant 3 mois sans aucun problème. Cependant, avec une meilleure maîtrise des méthodes appropriées et l'expérience, il vous sera possible de conserver votre récolte jusqu'à 6 mois.